On est mal et même maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit, le produit. Est-ce que je me sacrerais une émission télé-réalité? Je vous avais prévenu que les soirées étaient interdites, je vous ai mis un blâme par rapport au mariage, je vous ai dit. Ah, mais attendez, soirée, mais attendez, attendez. Mariage, pas attendez. Bizarre, vous non, n'avez rien. Non, compris. Attendez, le truc c'est que j'ai pas participé à l'émission. Hein. Vous étiez en soirée unicorn, je vous ai attrapé. Mais non. Bureau. Si, je vous ai envoyé, je me rappelle. Mais lieutenant, à commandant, dit... vous abusez parce que j'étais en cabine avec vous quand même, vous rinciez l'œil vous aussi. J'étais avec Mason. Pardon ? Vous parlez quand même à votre commandant. La veille de. Bah, de, je l'ai pas insulté. Je vous ai dit non, les soirées interdites. Vous m'avez dit oui, c'est compris. Blablabla. Vous m'avez déjà revu en soirée ? Vous m'avez déjà revu en soirée, oui ou non ? Pardon ? Vous m'avez déjà revu en soirée ou pas ? Bah non. Une soirée au unicorn, non, mais vous avez déjà refait une soirée à votre mariage, c'était quoi ? C'était pas une soirée ? Mais non, mais un mariage, c'est pas une soirée. Quand on dit à quelqu'un, je t'invite à ma soirée, c'est pas un mariage. Bah oui, mais c'est encore pire. Le mariage, c'est encore pire en vrai. Vous avez fait un mariage ? Bon, bah je fais un mariage tous les nouvel ans, je fais un mariage alors. Je suis marié 20 fois, 25 fois. J'ai exceptionnellement autorisé. Donc vous mais Mason aussi, personne ne lui a rien dit, c'est de la hagra. Non, j'ai autorisé Peking Express. Ok, mais là, le truc télé-réalité, je l'ai pas fait en fait, j'ai pas commencé. Attends, je te demande. Oui, mais vous êtes annoncé publiquement, vous avez parti. Mais non, même pas, je suis pas pris. Et bah, comment il est au courant alors ? Mais j'en sais rien, il y a des snitchs, il y a des snitchs partout. 12, il est au milieu. Merci beaucoup. Ah, il est attends, mais pourquoi on est 3 ? Bah, dès qu'il est posé, on monte chez toi. Snow, ils sont où ? Je suis passé par derrière, ils sont au niveau de l'unicorn, unicorn. Go, montez chez toi, montez chez toi, tous chez toi. Là. Allez les gars, pour Grove Street, les pneus quand, au commandement, ok? Ok. Vous pas, collez-vous pas. On bouge. Laissez-les rentrer. Merde. Go, les pneus. On se barre, cassez-vous. Oh, cassez-vous. Barrez-vous. Dispersez-vous, on se rejoint dans le nord. On se rejoint dans le nord, les becs. C'est bon, comme d'habitude, bon. Phare. Ils ont crevé ma moto. Tout le monde est safe, c'est bon. Ouais, fort. Safe pour moi. Safe. Oh non, on se fait courser. Je sais pas qui est devant moi, mais on se fait courser. Ouais, safe. Vous êtes en moto, bougez dans les montagnes. Safe, les gars, vous êtes en moto. C'est le moment de leur montrer qu'on n'est pas dans leur salope. Vous avez l'atout de la moto, les gars, donc utilisez-le vraiment. Vous en êtes, dites-le, mais vraiment, c'est pas nécessaire, vraiment. Y'a un hélico au-dessus de nous. L'hélico est dessus, pas dans la moto. Un hélico au-dessus de vous, prenez les égouts. S'il y a des hélicos au-dessus de vous, prenez les égouts qui démarrent l'autoroute. Mes excuses. Ah oui. Veuillez m'excuser. Au niveau de. Madame, monsieur, acceptez. Du LTD, approchez-vous. On s'est déjà rapproché. Excusez de distinguer. Voilà, vous voulez la gorge profonde de votre vie ou c'est. On a besoin d'une Dodge qui vienne récupérer un individu sur mon dessin. Allez-y, s'il vous plaît. J'ai pas bien saisi. Vous voulez qu'il se dirige vers Nico. Gorge profonde, qu'est-ce que je fais, gorge profonde. Il me semble avoir mal entendu. Magasin de vêtements. Qui est en train de filmer, c'est normal. Et pas des moindres. Il ne va pas partir. Attendez, avec la radio, j'ai du mal à vous entendre. J'ai dit, on fait une grotte ou une ronde. Parce qu'en gros, on tourne en rond depuis tout à l'heure. Et je me demandais si on était dans une grotte qui tourne en rond, quoi, en gros. Poursuivez les motos, est-ce que vous avez toujours les motos? On sécurise. Négatif, ils sont passés sous des ponts, on n'a pas réussi à aller dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Entre avant enquête. Arrêtez-moi ce mal au trou. Il s'appelle sur le broc, il sait pas où est-ce qu'il va là. Lui-même. Ouais. C'était lui. Laisse nous, j'ai envie de faire un truc là. C'était incroyable. Ici, la mettre sur Twitter et tirer. Ah, il y a que ce gars. On s'est pas attrapé. Pensez là, si je saute dans l'eau, je me noie ou pas?
Non, tu te non, tu te tiens pas, regarde. J'ai entendu porter, là. Non. Fils de pute. Lâchez Wikipédia, s'il vous plaît. C'est Siri qui m'aide beaucoup. Ok, Siri. Vous savez que c'est bourré de d'additifs et de conservateurs, ce genre de choses, commandant. Totalement, totalement. Inadmissible. Inspectrice, pour le coup, je vous paye un donut. Ah non, non, je ne mange point de ça, moi. C'est bio ou rien. Ok. Si vous voulez, après, on peut aller manger une salade de quinoa bio. Ah ben, avec plaisir. Mais j'ai déjà mangé aujourd'hui. Ah, vous mangez et puis c'est bon. Ah bah oui, il faut savoir garder la ligne. Hein. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Totalement, vous êtes ravissante. Ah, je vous remercie. Bon, je remets juste mes ballerines parce que sinon, voilà. Merci. Je vais les perdre. Ah, les gars, je vais mettre une golden à la... à l'inspectrice, je vais lui mettre une golden. Commandant. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, je sais pas. Moi, tout ce que je veux, c'est juste que tu fasses pas tes mimiques devant elle. Les clins d'œil, les tirer la langue, non. Devant moi, en plus. Donc ça, c'est fini. C'est bon ? Non. C'est pas fini ? Non. C'est pas fini, ok. Comment te dire ça d'une autre façon ? Tu peux être ami avec elle. Tu peux être ami. Je lui interdis pas d'avoir des amis. Mais tu ne lui fais plus des clins d'œil, tu ne lui fais plus des tirages de langue là devant moi. C'est bon. Stop. Bah les couilles. Là ça y est, je rigole pas avec toi là. Là je te le dis, je reprends mon sérieux. D'accord ? Là j'avais le cœur blessé. Alors je vais t'expliquer un truc mon coco. Je vais t'expliquer trois petites choses. Première chose, t'es un incapable. Deuxième chose, tu la rends pas heureuse. Et troisième chose, t'es un abruti fini à la puce. Alors laisse-moi t'expliquer quelque chose, mon coco. Là, je vais te le dire. Ta meuf, je vais la pécho. Toi, tu vas retourner sur le banc de touche et tu vas aller te faire foutre avec une autre gonzesse. Tu vas aller péchoter ça. D'accord ? Ensuite, secondo, hein, parce que c'est pas fini, le livre, il est pas fini. Là, on passe seulement au chapitre 2. T'es une merde. C'est beau ou pas ? T'as fini ? Ouais, j'ai fini, ouais. Peut-être que toi t'as pas fini parce que t'as encore plein de merde à raconter, mon coco. On présentait rien à ce moment-là, ça me va. Y'a aucun souci. Juste, est-ce que si je peux me le permettre, j'ai fait tomber un bout de papier par terre, je vais vous le lire. Pourquoi vous avez viré Kennedy ? C'est pas moi qui dis ces bouts de papier, hein. Je vous donne pas d'ordre. C'est pas vos affaires. Mais c'est l'affaire de l'état-major. C'est mon amoureuse dans le jeu, genre. Ah, pardon. Oh merde, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est mon amoureuse. C'est votre amoureuse. Si elle souhaite avoir des explications... Attendez. Pas de relation au sein du LSPD. Elle a été virée pour non, ça. Non, vous inquiétez pas. J'ai jamais eu de relation avec elle. Hein. Non. Les relations entre collègues n'existent pas. Nous sommes une famille. Ils ont fait un mariage. Vous avez fait un mariage avec votre sœur. Mais... C'est immonde, grossier personnage. Non, mais attendez, ça se faisait beaucoup au temps du Moyen-Âge, vous semblez. Ah non, ça m'écœure. Je peux pas entendre ça. Pas de relation entre membres du LSPD. C'est interdit, ça. C'est... D'accord, c'est vrai que c'est ma consœur. C'est ma confrère, ma consœur. Tout à fait. Ok. Vas-y, on t'écoute. Ok. Non, on l'entend pas, bien, je sais pas pourquoi. Kenny en action prise 3, j'ai toujours la pression. Mais dans mon sac à dos, je suis pas en manque de munitions. C'est peut-être bien plus profond, ouais. Un peu comme la matraque, ouais, dans Billy, j'ai tapé le fond. Sponge dans son iris, mais aussi dans sa sœur Isis. Talent beaucoup plus grand que la largeur de vos pénis. Ouais. J'ai creusé dans son cœur pour y trouver du cannabis. Je suis avec Memphis de pute et non pas fils de flûte et ni Memphis de plus pour un petit feat bonus. Mais quoi te dire de plus, mais son est un gugus. Un peu comme le manager, j'ai le plein de sucre dans les sinus. Voilà. Patrouille en binôme, Tango c'est patrouille à 3, Marie c'est patrouille à moto et Henri c'est patrouille en hélico.
Exactement. Ça, mais c'est propre. C'est très bien. 10-4, c'est affirmatif. 10-5, c'est négatif. 10-8, c'est prise de service. Et faut que je le fasse aussi dans ma tablette. 10-19, c'est retour au comico, réunion. 10-20, c'est localisation. 10-41, c'est début de patrouille. 10-48, c'est contrôle de véhicule. 10-50. Arrêtez de lire votre, sur votre main là. Là, c'est. Oui, non, mais attendez. Non, mais vous donnez les codes, les chiffres à la, genre 46, 10-46, 10-48, 10-50. Non, mais attendez, là, tout à l'heure, vous étiez bien sur Wikipédia pour lire les fables de La Fontaine, je vous ai rien alors, dit. Alors, loin de là. Moi, je les connais toutes par cœur. Hein. Bon, vous, j'en doute pas, inspectrice, mais commandant, c'est vraiment une quiche par contre. Attendez, mais. Je suis en train de vous former là. Une quiche. C'est pas la même chose de tricher. Monsieur X, il est actuellement minuit 36. Nous sommes le jeudi 21 mai 2020. Et vous êtes actuellement en état d'arrestation par le comté de Los Santos Police Département. Pour les faits suivants. Délit de fuite, port d'armes illégales, potentiel port de drogue illégale. Vous avez le droit de garder le silence. C'est mes pilules. C'est ce qu'on verra au laboratoire. Et tout à fait. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit de commis d'office si vous n'en avez pas les moyens. Et si vous avez les moyens, vous avez le droit à votre avocat personnel. Vous aurez le droit de la nourriture, à boire et à des soins. Est-ce que vous avez bien construit vos droits? Absolument, mon garçon. Let's go, monte dans la voiture. Très bien. Attendez, je lui fais ma petite facture. Non. Vous allez être amendé. Écoute, t'as beau être mon commandant, tu vas jamais mettre une amende à Kennedy, je te le dis. Ouais, dis-lui. Mets une amende à Kennedy et patate dans ta grand-mère, tu m'as compris? Quoi? Pardon? Patate dans ta grand-mère, tu mets une amende à Kennedy. 44, t'es où? Très bien, j'amende pas. Très bien, je note. Kennedy, t'as vu ce que je peux faire pour toi? T'es trop fort. T'as vu la golden que je lui ai mise? Tout à l'heure, je me suis fait scarifier par un mec. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, je me suis fait kidnapper, il a écrit son nom de merde. Allez, on circule. Abus. Bah vas-y, je vois. Et commandant, refaites plus jamais la merde avec ma femme comme ça, ok? Ouais. Allez, Kennedy, prends soin de toi et on se capte tout à l'heure, ok? T'es trop beau. Vas-y, c'est merde, ciao. Nardinamo, bonne journée. Oh, commandant, je suis désolé pour la golden, c'était vraiment pas bon. Vous m'avez vraiment frappé. Là, je vous fonce. Eh, vous avez mis un vrai coup. Ah bon? Bah oui, mais c'était pas prévu. Mais le patron et nous on croit pas trop à la chicha sous ballon. Tu te pars tout à l'amour, tu racontes.